Votre niveau d'entente actuel est trop bas. C'est dommage. Allez, on continue. J'ai rien compris, Nanatoro. Une œuvre japonaise peut introduire des références à la Seconde Guerre mondiale dans son scénario, regard full alchimiste. Mais de quoi tu parles, mec, sérieux? Mais tu bois quand tu viens sur les streams ou quoi? C'est la deuxième fois que je te pose la question. なぜ小玉さんはあんな言葉を。敵は取る。まさか呪術たちはもう死んでいる。もしくは殺されて。それを知ったから小玉さんは。 だとしたら意味があるのか。この先に行くことに小玉さんまでその命を落としてしまうことに。ダメだ。どうした、シルク。これはわしらの戦いだ。臆したのならその剣を置いて先に帰れ。いえ、違うんです。そうじゃ。 そうじゃなくて。何じゃ。このまま突っ込むのって無謀じゃありませんか。何？ここまで来てどうしたんだよ。もう少し奴らの行動パターンを探ってからその隙をつきませんか。黙れ。悠長なことを言うな。お前は奴らの何も知っている。わしはこの一月 奴らの行動を潰さに観察し、反撃の機会を狙っていたんじゃ。奴らが捕らえたホームスをどうするかもよく知っている。あ、ですが、行くぞ、カルナ衛星兵。大玉さん、なんであんなことを。僕は見たんだな。 まさか誰かが死ぬところか。うん、だろうな。でなきゃお前があんなこと言うわけがない。それってあの時と同じ。うん、地下のエーテル竜の中へ小玉さんが。うん、エーテル竜か。まったく、モナドが使えて未来のことが分かるってのに 本当に不器用だな、お前は。ラインに言われたくないよ。いいや、いくらでも言ってやる。お前はどうしようもなく不器用だ。分かったよ、もういいよ。続きを聞け。お前は不器用だ。だから俺たちがいる。ライン。ビジョンを見たら俺たちに相談しろ。 一人で抱え込むのはもうなしだ。望まないビジョンを見たなら未来を変えちまえばいい。だろ？うん。声が小さいぞ、声が。あ、分かった。ちゃんと相談するよ。そうよ、シルク。あなたたちは一度呪術を救ってくれた。 だから今度だってきっと。私はあなたの力信じてる。カルナ。そうだ。望まない未来なら変えればいい。それに僕はまだジュジュたちが死ぬビジョンは見ていない。
Oula, il y a plein de chemins. Salut David, ça va et toi? Le perso qui a un fou rire. Chemin là qui descend et après il remonte on dirait ou je sais pas quoi. Je vais commencer par celui-là. Non, si il descend. Ta femme a accouché, ça y est. Alors du coup, Zelda a un petit frère ou une petite sœur? Bonne soirée, Kuro. Bon courage pour demain matin. Oula, il y a un nommé là. Bon, à niveau 20, ça va. Hop. Une petite sœur, c'est quoi son nom?
Ah oui, c'est ton troisième, tu commences à troder là, effectivement. Oui, Hinata, c'est vrai, tu me l'avais dit en plus. Alors, il y a eu un tas de trucs là à ramasser. Oh, le skin du machin, quoi. Objet déjà utilisé, j'avais pas vu. Waouh! Armure fastueuse. Alors voyons les skins un peu. Oh putain, quelle horreur! Quoique, ça donne un certain style en fait. Ça va être le short qui va pas là. On va voir si on l'a, le Légard. C'est un peu space, hein, on va pas se mentir. Oh, c'est un style quand même. C'est un style. Et le casque, il ressemble à quoi? Ouais, le casque, bon, voilà quoi. Il est stylé celui-là, mais ça va pas avec le reste. Style titanesque. Ça, c'est pareil, la couleur est pas bonne. Moi, j'aime bien les lunettes. Bon, lui, on changera après. On va pas s'éterniser sur le menu, quoi. Alors. Encore un nommé? Ah, 22 cette fois. Ça monte, ça monte. Et ta femme, elle va bien, David? Ah.
Encore ? Waouh, type lourd. J'ai aucun perso qui peut mettre le stuff type lourd. Oh merde. Elle se repose, tu gères les enfants. T'as pas pu assister à l'accouchement. Et bah tu lui passeras le bonsoir. Et à Zelda aussi, évidemment. C'est jeune, c'est mignon, mais à 14-15 ans, c'est là que les embrouilles commencent. Moi, mes parents, ils ont eu de la chance. J'ai pas eu de crise d'adolescence comme certains. J'étais relativement calme. Il y a l'air d'avoir une salle en haut. Non, en fait, c'est celle qui est à droite, là. Ok. N'empêche, tes enfants, ils vont être contents hein, quand ils seront plus vieux. Parce qu'avec leur prénom, franchement, ils sont servis, hein. Et dans le bon sens du terme. Hein. Alors, levier du dépôt. Ok, ça fait quoi ça? Ah oui, ok, j'ai bien fait de commencer par là, du coup. Ouais, tout à fait, ça dépend des tempéraments. T'as des gamins qui ont pas vraiment de crise d'adolescence, hein. Ils sont calmes, tout ça. Toi, t'appelleras ton enfant Onyx. Je sais pas si ça existe. Hein. T'as des adresses de pensionnat pour les crises d'ado.
ここよ。ここが中央採掘場。ジュジュやコロニーの連中はどこだ？ここからじゃよく見えねえな。降りてみましょう。よし、行こうぜ。ああ、ジュジュもオダマさんも死なせはしない。Ouais, l'armée, y'a que ça de vrai. Ça fait débat, mais je trouve quand même dommage qu'ils aient retiré le service militaire. Toi, tu peux pas entrer dans l'armée, Morgane? Pourquoi? T'as les pieds plats? Je t'embête, hein. Non, mais t'es un hypocrite, Nanatoru. Tu dis l'armée, y'a que ça de vrai. Tu dis j'ai eu de la chance. Ça s'est terminé juste avant, hein, un an avant. Escroc. Ouais. L'armée, un peu de formatage quand même. Ouais, ouais, c'est sûr, mais ça, je pense que ça apprend beaucoup de choses et surtout des valeurs à certaines personnes qui en manquent, je pense. Après, selon là où t'atterris justement pendant ton service, t'as peut-être pas la même chance aussi. Contre-indication médicale, d'accord. Ah, t'avais essayé de t'engager dans la gendarmerie il y a 2 ans? On a eu un gendarme, nous, en stage dans ma boîte. Enfin, un ancien gendarme qui faisait une reconversion. Il en avait marre. Il m'en a raconté des vertes et des pas mûres, hein. Je me demande si je peux pas changer la stratégie par défaut. Faudrait que je regarde parce que j'aimerais qu'il tape les mêmes que moi. Parce que chaque fois que je me mange l'aggro, je suis obligé de le lâcher avec ça là, avec de l'ombre, pour réduire l'hostilité. Donc ça serait bien que ce soit auto. Je vais regarder ça tout de suite. Alors... Tiens, les affinités entre les personnages purés, tout ce qu'il y a. Ça, c'était chiant dans Xenoblade 2. Le sociogramme. Truc qui sert à rien, quoi. Ah, il manque un gadget.
Quoi, David? En Suisse, à 3400 mètres, il n'y a rien que des filles, pas de garçons? La générosité du titan. D'accord? C'est parce que j'ai rempli mon encyclopédie. Ouais, je m'en doutais qu'il allait m'agresser celui-là. Une grue romantique. Ça doit être une grue dans le sens l'oiseau, non? Ouais, c'est très haut dans ce jeu, ouais. C'est ce que j'adore d'ailleurs dedans. Je l'avais dit déjà dans les précédents streams, mais c'est la taille des architectures, tout ça que j'adore. Alors, non, là on est dans les traits de caractère, voyons les arts. Lacération dorsale, je peux l'augmenter encore. C'est un peu mon coup le plus puissant. Hop là. Attire l'hostilité, on va lui monter ça, lui. Et le coup circulaire parce que ça fait des dégâts en AE. Ah, elle est au niveau max de ce qu'elle peut pour le moment. Pour ça. Bon, mettons-lui une vraie armure à lui, parce que voilà quoi. C'est stylé ça, mais ça va pas trop avec le personnage, je trouve. Un style M100. C'est quoi ça? Oula! De toute façon, va falloir looter. Hein. Pour débloquer les autres trucs, je pense. En fait, je sais même pas dans quelle mesure on les récupère. Est-ce que c'est... en trouvant les bouts d'armure, du coup, ça débloque les skins? Je sais pas du tout. Ah, son espèce de short, il est pas ouf, hein. Ça, c'est stylé. C'est ça qu'on aime. Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Elle, ça lui va bien, dans son style, en tout cas. Ah ouais, d'accord. Alors normalement je suis censé aller par où là? Je vois même pas le point. Ça doit être ça, la sortie en fait.
Salut Az, comment ça va? Ta femme a fait 2 ans d'armée au Japon, David? C'est vrai, Ori, il y en a qui gardent des bons souvenirs. Pas tout le monde, effectivement, mais bon... La plupart, je pense qu'ils en gardent un bon souvenir de l'armée. Ouais, ça va carrément bien, Az, merci. J'ai fait toutes les quêtes annexes, donc là, j'ai pu me concentrer sur l'histoire. Il y a du bizutage à l'armée. Ouais, t'as toujours des mecs qui sont pas très futés, hein. Faut que ça reste un choix, mais le problème, c'est que t'as certains individus... honnêtement, ils en auraient besoin. Parce que ça leur apprendrait un tas de trucs, parce qu'ils ont rien d'autre à faire, très honnêtement. Et parce qu'ils ont besoin d'être mis sur le droit chemin, quoi. Salut Linky! Comment ça va? On dirait une poire ce robot. Ah oui, mais là c'est différent, Nanato. Ton cousin qui a arrêté après une mission en Afghanistan, lui il était voilà sur le terrain. C'est pas là, on parle pas de service militaire en camp. Là, il a carrément été envoyé en mission. Et là, effectivement, c'est différent. J'aurais dû lui faire un enchaînement à celui-là, parce qu'il est plus long que prévu. Faut faire bosser les jeunes. Ouais, mais justement, tu vois, avec le service militaire, tu pouvais passer la plupart du temps, je crois que t'avais ton permis, parce que tu le passais à l'armée. C'est quand même cool, ça te lance quelque part... Enfin, ça t'aide à te lancer dans le monde du travail, le fait d'avoir ton permis. Aujourd'hui, c'est quand même un gros plus, hein. Quand tu vois le prix, ça calme, hein. Il ne veut pas me lâcher celui-là. Le problème, c'est que mon attaque, elle est à faire dans le dos. Tant qu'il se retourne pas, je peux pas la faire. En tout cas, elle perd grave en puissance.
Et le service militaire, c'est que l'armée ou il y a aussi pour les chercheurs ou les soignants? Le service militaire, je sais pas dans quel pays tu parles, mais celui qui avait d'époque, il n'y avait pas vraiment de. Il n'y avait pas chercheurs ou soignants, c'était le service militaire, quoi. On t'apprenait certaines choses. Tu pouvais apprendre un taf. Du coup, on a tout récupéré, c'est là-bas qu'il faut aller. Par contre, j'ai peut-être obtenu les derniers trucs. Non. Mais t'avais beaucoup d'avantages à faire le service militaire. Enfin, moi, je sais que mon père, il avait passé le permis B, je crois qu'il l'avait déjà. Par contre, il a pu obtenir le permis poids lourd, même si ça lui a jamais réellement servi dans la vie. T'en as d'autres qui ont eu un tas d'autres permis, quoi. Permis moto, je sais pas trop, mais rien que le fait d'avoir le permis B, voire d'avoir le permis poids lourd, ça t'ouvre un tas de métiers, quoi. Ça c'est dangereux, le genre d'ennemi qui peut te pousser en bas. Alors là-bas il y a la sortie, on va récupérer ce truc avant. Puis je pense que ça a aidé en fait sur le CV de le fait d'avoir fait le service militaire. T'as plein d'employeurs aujourd'hui, ils font pas confiance aux gens qui reçoivent en entretien. Parce qu'ils n'ont pas de bagages des fois. Et le fait d'avoir fait le service militaire, bah, tu te dis, le mec, voilà, il a quand même donné de sa personne, tout ça. Enfin, c'est quand même un bon truc, je pense. Hein. Et le seul jeune? Non, je pense pas, Paul, t'as quel âge? Sans indiscrétion. Ah, t'es pas le plus jeune, je pense pas. Enfin, peut-être ce soir c'est le cas, mais... Est-ce qu'il y a un boss qui nous attend en bas? Ah, il s'est retourné. J'ai oublié de faire ça en plus. Ah, ton cousin était engagé volontaire, Nanatoru? Gagner beaucoup d'argent, les missions d'ordre humanitaire. Sur les missions d'ordre humanitaire, mais il y a des risques. Ah bah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il gagnait beaucoup d'argent, je pense.
Impec. Vous avez des cheveux blancs depuis la naissance de vos filles. C'est l'augmentation de stress, ça. Ah mince, j'ai encore oublié. Afghanistan, et t'as dit tu vois les missions dans Ghost Recon, c'est pareil mais en vrai, purée. Bon, il est où le boss là? Tes lives ça part tellement vite comparé aux autres. Ah mince, j'aurais pas dû lui faire ça. On va faire ça. Voilà. Là du coup je peux plus faire ça, je me suis trompé, c'est pas grave. La discussion est intéressante, le live aussi. Ouais, c'est cool de pouvoir échanger sur des sujets divers et variés, tout en jouant à un jeu.
dont le genre nous plaît à tous. Parce que je pense que ceux qui viennent là, c'est aussi parce qu'ils aiment bien les RPG. T'as trouvé les pots d'un kilo de danette, David? Tu vois, je t'avais dit qu'il y en avait encore. Mais t'en trouves pas partout, effectivement. C'est tout de suite meilleur quand ça fait un kilo, en fait. Parce que quand t'achètes les danettes en petit pot, tu vois, t'hésites à en manger deux parce que tu te dis ouais ça va être cramé, mais quand t'as le gros pot d'un kilo, tu vois, tu peux y aller sans scrupule. J'ai encore oublié l'enchantement, hop. Si j'enchante pas, ils font pas de dégâts sur les mécons. Tout le monde se lève pour danettes, ouais. T'as acheté 4 pots d'un kilo, mais t'es un grand malade, toi. Pourquoi ils sont dans les vapes, eux? Ah, faut que je les aide, faut que je les aide, au secours. J'ai pas le temps. J'aurais dû en profiter, ça fait monter le... Comment dire? Le social entre les personnages. J'avais pas vu qu'ils étaient au sol. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On ira après, hein. 8 euros le pot, quand même. Alors, elle est où le dos là? Il y a une plateforme qui monte là ou pas? Ah oui, elle monte tout doucement. Enfin, tout doucement, façon de parler, hein. J'ai l'impression d'être revenu au début, mais pas du tout. En fait, on a fait tout le tour. Ok. Bon. Cette zone me fait penser au deuxième temple Zelda Twilight Princess. J'arrive pas à voir. C'est quoi déjà le deuxième temple ? Avec les Gorons. Faudrait que je le revoie. Je me suis fait avoir, c'est pas ici. J'espère que je suis pas venu ici juste pour ça, mais j'ai l'impression que si, en fait.